أنا فرج بدوي ساكن هون عند أمي وإخواتي الأربعة عند الحلال وعند الجمال. Nous sommes au sud de la Jordanie, à 350 km de la capitale Amman, dans un fascinant et hostile désert de grès rose. Aulans. En prononçant ce nom, Faradj ne sait pas qu'il désigne en fait Laurence d'Arabie. Guerrier romantique, habile stratège, fou illuminé. En cet endroit, le jeune lieutenant Laurence avait réuni les armées arabes pour vaincre l'ennemi turc. La légende est partie d'ici et résonne encore dans le cœur des massifs environnants. Faradj est un petit bédouin, et le Wadi Rum, vaste solitude minérale sculptée par le vent, est la terre des bédouins. Leur nom, Badia en arabe, signifie précisément « habitant du désert ». Possédant de très fortes traditions, les bédouins ont su, malgré un développement certain, conserver leur culture. Ils sont organisés selon une structure patriarcale au sein de laquelle la cellule fondamentale est la famille. أبو فرج زلمتي عايشين في البر ومدبرين حالنا ومنها المرض ومات الله يرحمه ومنها دخلت عيالي في المدرسة وأنا في البر بشبه الغنم وامشي واجي عليهم وبخير الحمد لله في ظل الله وظل حسين الله يرجعها بخير إن شاء الله عنا وعايشين الحمد لله واجيب عيالي يدرسوا واجي وبخير الحمد لله وعايشين عيشي هنية. Malgré la disparition prématurée du père, cette famille n'est guère différente des autres. Les rôles sont répartis entre hommes et femmes et toute l'éducation est conditionnée autour de ce principe. Faradj étant le seul garçon, tradition oblige, sa mère tente de plus en plus de lui faire assumer le rôle du père disparu. Les tâches entre hommes et femmes sont très distinctes. C'est à l'homme qu'il revient de s'occuper du troupeau, principale source de revenus de la famille. Pourtant, dans cette tente, l'organisation sociale est quelque peu modifiée. D'abord parce que Faradj était trop jeune lors du décès de son père et qu'ensuite, il suit une scolarité normale. Tous les matins, à l'exception du vendredi, jour sacré chez les musulmans, Faradj, accompagné de ses deux sœurs, Katma et Aziza, se rend à l'école. C'est Faradj qui a la charge de conduire le 4x4 qui les achemine pour parcourir les 5 km qui les séparent du village de Rome. C'est grâce à ces petits détails que le jeune garçon montre qu'il prend très à cœur les responsabilités qui lui sont progressivement confiées par sa mère. Au même instant, dans le campement, Hamda, la sœur aînée, prépare les provisions nécessaires à sa longue journée de pâturage. Les Bédouins sont des bergers nomades et toute leur vie est organisée autour du troupeau. Cette famille ne déroge pas à la tradition et cette jeune adolescente emmène chaque matin paître ses bêtes dans un endroit plus propice. أنا أصحى على الساعة 6 وأفطر وكنت الرم أغير واعي وأروح للمدرسة على الساعة 8
أدنى في العساء وحدة. الصبح لما روح للدار أما سقبنا لعند الدار من غير واعينا. Hamda et son troupeau ont atteint le puits Aulens, halte nécessaire pour que les bêtes se désaltèrent. L'eau est rare dans le désert. Elles ne boiront à nouveau que ce soir, après le retour. Ayant changé de vêtements, transition entre le milieu nomade et le monde moderne, les enfants peuvent maintenant se rendre en classe. Katma et Aziza, respectivement âgés de 14 et 11 ans, rejoignent leur école. Dans le Roum, la mixité n'existe pas. Les jeunes filles vont dans une école publique alors que les garçons, comme Faraj, sont scolarisés dans un établissement géré par des militaires. Dans cet endroit reculé de la Jordanie, l'armée prend en charge la scolarisation des garçons. Il est nécessaire d'astreindre ces enfants nomades à suivre des cours normaux, nomadisme et école ne faisant pas toujours bon ménage. Les militaires donnent des contreparties, comme la distribution de couvertures et surtout la gratuité des fournitures scolaires. Ces quelques avantages incitent l'enfant, mais surtout sa famille, à déroger à certaines obligations traditionnelles. La première partie de la matinée est consacrée à l'anglais, deuxième langue parlée en Jordanie après l'arabe. Dans cet endroit, l'expression linguistique fait partie d'un ensemble qui se veut être aussi un facteur de changement. Ces enfants sont les vecteurs de cette évolution, où face au modernisme, les valeurs traditionnelles s'effacent progressivement. Pendant ce temps, Hamda conduit son troupeau de 40 têtes vers des pâturages plus riches. Elle emporte avec elle une petite flûte, fidèle compagne et signe de ralliement du troupeau. Depuis toujours, les collines et les dunes sont le public discret des douces mélodies interprétées par ces petits bergers. أنا اسمي حمدة عمري 17 بطلت يعني من المدرسة ما حبيت المدرسة عشان أصير مع الغنم أصير مع الغنم وحابة يعني أني بعدين أتزوج يصير لي أطفال يصيروا مع الغنم هذا المسجل هدية من السواح إلى أخوي فرج فرج أعطاني إياه Spaces, what are we living for? Abandoned places,
I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Autre sacrifié de la scolarité, Henda s'active tous les jours à des tâches qui s'avèrent parfois être très lourdes pour une enfant si jeune. لما أمي تيجي عمري 11 سنة المتفرعة. Nouveau contraste entre la vie nomade et le monde moderne, ce cours de biologie, terme de cette journée d'école. Comme la majorité des enseignants qui exercent ici, le professeur est un civil et dépend de l'éducation nationale. منطقه بدويه والطابع القبلي البدوي موجود فيها لانه هاي المنطقه كلها عائله واحده مترابطه مع بعضها البعض طلابنا نتيجه الامتحانات اللي انا كنت اعملها للطلاب لاحظت كثيرا انه الطالب يعتمد ما اشرحه داخل الصف نتيجه للذكاء الفظيع الموجود عنده وبيجاوب على اساس اللي انا بشرحه بالصف قليلا ما يقرا في البيت نتيجة لانشغاله مع السواح والسياحة في المنطقة المحيطة فينا لذلك فهو مستوى الذكاء عنده عالي جدا وإحنا بنسعى بصفة أنه إحنا تعليم وتربية أنه نرفع مستواهم الأكاديمي لكن بعض الطلاب أحيانا ما بيحبوا يكملوا دراستهم فبلجأوا للسياحة وإحنا موجودين هون من أجل خدمتهم وتعليمهم وتوصيلهم لمرحلة عليا من الدراسة الجامعية والدكتوراه بإذن الله. Pour les tribus bédouines, les dromadaires constituent le bien le plus précieux. Ils représentent une source de revenus importante. Ces produits, en particulier le lait, constituent encore aujourd'hui la base de l'alimentation des familles. C'est aussi pour eux le moyen de transport le plus économique et le plus fiable. Dans le Wadi Rum, tout le monde est équipé de chameaux, y compris le Desert Patrol, le corps bédouin de la police du désert. Veillant sur la sécurité des habitants, ces policiers ont aussi la charge de patrouiller sur les frontières. L'Arabie Saoudite n'est qu'à 20 km. هلا كيف حالك؟ خير قوي سلامات هلا مرحبا يا فرج هلا كيف حالك؟ خير شوي. انا جاني مشان السياح تدور سوا؟ اه الله يعافيك Le tourisme, autre facteur du modernisme, permet à ces jeunes enfants, grâce à quelques méharés, de gagner beaucoup d'argent. انا احب بعد ما في من المدرسه اركب الجمل وكنت للسياح واربح منهم شويه مصاري واعيش انا واهلي في البيت. Le
prix d'une promenade est de 20 dinars, 190 francs français, somme importante, surtout pour des enfants de l'âge de Faraj. Le salaire mensuel jordanien est d'environ 250 dinars, l'équivalent seulement de 12 promenades. Tous les chameaux du monde ne suffisent pas à s'acheter un ami, dit un proverbe bédouin, malgré la considération que ces nomades affichent pour leur monture. Ces gens du désert ont pour habitude d'aller droit au but et ne respectent seulement que quelques principes et conventions. La nature, le silence, la pensée. Même leur approche de la religion est différente des sédentaires. Aucune expression de groupe, aucune manifestation. Tout se joue dans l'intimité de l'être. Dieu est nature et la pensée est prière. Forts de ces principes, ils ont su conserver de nombreuses traditions, notamment le partage de la nourriture, symbole d'hospitalité. Et en premier lieu, le pain. Fabriqué à chaque repas, il est constitué d'une pâte fine. Ce pain simple accompagne les produits du lait, les légumes et les féculents qui alimentent les repas familiaux. Par tradition, toutes les jeunes filles de la famille doivent aider la mère à le préparer. Entre deux cuissons et autres préparations, il n'est pas rare que les sœurs de Faraj l'accompagnent dans quelques moments de détente. Jeux de balles et parfois marelles les agrémentent. Le repas du soir est symbole de communion. Il se déroule généralement dans un silence religieux et chacun y va de sa main droite, piochant généreusement dans le plat commun. Pas de chichi chez les Bédouins. On aime la vie comme on déguste un plat. Puis vient la veillée. Autre lieu, autre mœurs. Ici, pas de télévision. On profite de ces soirées pour réviser les cours de la journée. Tout le monde participe. Et les enfants scolarisés partagent leurs connaissances nouvelles avec Ramda et Henda qui n'ont malheureusement pas la chance d'aller à l'école. Nouvelle journée, mais le rite est identique. Chacun assume les tâches qui lui sont imparties. Dans ce cycle particulier, une activité a son importance, le tissage. Considéré comme un art majeur, il fit par le passé la renommée des femmes bédouines. Dans la tente voisine de la famille de Faraj, une femme confectionne avec une grande dextérité un tapis. Les tentes sont aussi fabriquées à partir du tissage, mais en poil de chèvre. Le poil de chèvre a deux particularités. D'abord, il se rétracte en cas de pluie, ce qui permet d'imperméabiliser la tente. Ensuite, la chaleur écarte ses fibres et crée ainsi un système d'aération naturelle. Un peu plus loin, à proximité de son campement, Faraj s'honore d'une tâche qui normalement devrait être réservée à l'adulte. Entièrement dépecé par les hommes, l'animal sera accommodé et cuisiné par les femmes selon une recette bédouine.
أنا عمري 13 سنة، وإذا كنت أطلع وإذا كنت أشعل عند دار السيارة كان لها دار جي، كان ما لها دار أصفها. وإن شاء الله وإذا قطع الرخصة صار عمري 18 سنة، وإن شاء الله أسوق إن شاء الله في العقبة وأسوق هون، وأنا الحين أسوق بس في الصحراء بس. أنا مرات كنت على العقبة أستغل الوقت أروح للبحر، رحنا لها مدينة كبيرة وأشتري فيها أشتري ملابس وأستغل الوقت. Beaucoup de valeurs sont associées au partage de la nourriture. C'est pour cette raison qu'il règne au sein de la tente de Faradj toute cette effervescence. Jour de fête oblige, ce soir, on dégustera le mansef. Ce plat traditionnel bédouin, constitué d'un riz épicé, se mange avec de la viande arrosée d'une sauce yogourt. L'expression artistique pour les bédouins revêt un rôle très important. On se retrouve parfois le soir au coin du feu au son du rythme lancinant de l'instrument de musique traditionnel, le rababa. Il est composé d'une petite caisse de résonance avec un manche et plusieurs cordes tendues. On en joue à l'aide d'un archet fait de boyaux d'animaux. Les airs sont répétitifs. Il arrive parfois que le rythme d'une chanson fasse écho au son du rababa. Les paroles des chants traditionnels bédouins expriment l'amour, la poésie, mais ils parlent aussi d'aventures légendaires de guerriers, de la vie et du destin de puissantes tribus. Dans cet univers sublime et titanesque, le plus intrigant est peut-être la façon dont l'homme, natif de ces lieux, a appris à s'insérer. Quant aux enfants, le Wadi Rum forge leur vie. Pour Faradj et ses sœurs, le contraste entre modernisme et tradition est de plus en plus présent et il suscite parfois quelques nobles ambitions. أنا أحب أنا أصير دكتور، وضيعت سنين كثيرة مشان أصير دكتور وعالج الناس وأخذ منهم حسنات. أنا ضايع لي سنين كثيرة ولازم أصير دكتور، وهذه مهمتي في الحياة صعبة.